Mesdames, Messieurs, le directeur général de l'Union postale universelle, le vice-directeur général de l'Union postale universelle, entre. Ladies and gentlemen, the director general. Mesdames et Messieurs, le directeur général de l'UPU ainsi que le vice-directeur général de l'UPU rentrent dans la salle. Oui. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, de Côte d'Ivoire, ainsi que le ministre des Communications et des Nouvelles Technologies, entrent en salle. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications de la République de Côte d'Ivoire et porte-parole du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Union postale universelle, chers collègues, Messieurs les ministres, secrétaires d'État, ambassadeurs, dirigeants d'organisations internationales, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. En tant que vice-directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle, en ma qualité de président du comité de préparation de cette conférence stratégique mondiale de l'Union postale universelle, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui ici à Genève. Il est important pour l'Union postale universelle à mi-parcours du cycle de faire un point, et c'est un point traditionnel désormais, sur sa stratégie. C'est la 6e conférence mondiale sur la stratégie de l'Union postale universelle, et cette conférence aurait dû se tenir en République de Côte d'Ivoire. Suite à la décision du Conseil d'administration, nous sommes heureux d'accueillir cette conférence ici à Genève, et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir remettre cette conférence en main de la République de Côte d'Ivoire. J'invite donc M. Bruno Conné, ministre des Postes, des Télécommunications de la Côte d'Ivoire et porte-parole du gouvernement, président de cette conférence, et j'ai le plaisir de lui donner cette conférence. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les délégués, la Côte d'Ivoire est très honorée de présider cette conférence stratégique et la Côte d'Ivoire est très honorée également de recevoir cette conférence stratégique, d'être l'hôte, même délocalisée, de cette conférence mondiale de l'UPU. Nous avons, comme cela a été annoncé, l'honneur d'avoir avec nous Son Excellence Monsieur Kablan Duncan, Daniel Kablan Duncan, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui représente ici le chef de l'État ivoirien, le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. En tant que président de la conférence, j'aurai le plaisir et l'honneur d'être avec vous aujourd'hui et demain. Et c'est pour cela que je serai très bref dans mon propos d'introduction. Je voudrais donc immédiatement demander
à M. Bichard Hussein, directeur général de l'Union postale universelle, de s'adresser à vous. Je vous remercie. DJ, you have the floor. Your Excellency. Excellence, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Monsieur Duncan Cablan, Excellence, Monsieur le ministre des Postes et des Télécommunications de Côte d'Ivoire, Monsieur Koné, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les hauts commissaires ici présents, chefs des organisations, des institutions des Nations Unies et des autres organisations internationales ainsi présents, Mesdames et Messieurs les dirigeants des organisations postales et de réglementation, Mesdames et Messieurs les intervenants, les panélistes et les modérateurs, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette conférence stratégique à moyen terme de l'UPU, longtemps attendue. Nous sommes heureux d'avoir cette conférence importante ici à Genève, mais bien sûr, nous regrettons sincèrement de ne pas avoir pu tenir cette conférence en Côte d'Ivoire telle que cela avait été prévu initialement. Monsieur le Premier ministre, je souhaite exprimer ma profonde gratitude au président, à vous-même, et au gouvernement et au peuple de la République de Côte d'Ivoire qui ont fait tous les préparatifs nécessaires pour nous recevoir l'année dernière en Côte d'Ivoire dans un véritable esprit d'hospitalité africaine. Excellence, je me souviens de ma visite à Abidjan au mois d'avril 2014. J'étais alors remplie d'optimisme lorsque M. Koné et moi avons signé conjointement l'accord qui prévoyait la conférence stratégique de l'UPU. Et pendant cette visite, j'avais fait le tour du site de la conférence et j'avais vu de mes propres yeux les préparatifs qui avaient été faits pour accueillir cette conférence mémorable et qui est tout à fait nécessaire. Malheureusement, mon optimisme a été déçu malgré des circonstances malheureuses et la Côte d'Ivoire, bien sûr, n'en a été aucunement responsable. Et j'ai dû visiter votre pays à nouveau au mois de septembre pour lui transmettre la mauvaise nouvelle que cette conférence ne pourrait pas se tenir en Côte d'Ivoire telle que cela avait été prévu. Excellence, malgré ce contretemps, le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'a jamais failli dans sa détermination à honorer ses promesses pour accueillir cette conférence. Et je suis sûre que cette conférence, qui portera le nom de la Côte d'Ivoire, sera à la hauteur de nos espérances. Et j'aimerais que l'Assemblée me rejoigne pour remercier la Côte d'Ivoire et pour la remercier dans sa détermination. Nous allons maintenant applaudir la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis tout particulièrement émue de me retrouver ici à Genève, dans cette même salle où j'ai eu l'honneur de présider le congrès de l'UPU en 2008. Il y a environ 7 ans. Là encore, 7 ans plus tard, la communauté de l'UPU est rassemblée à Genève en tant que l'un des plus anciens membres de la famille des Nations Unies. Et dans quelques instants, nous aurons l'honneur d'entendre un message de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui exprime son appui fort à l'UPU ainsi que ses attentes pour notre union en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies.
notamment en ce qui concerne la fourniture de solutions de développement que nous recherchons tous. Excellence, nous savons tous que l'UPU et la Poste représentent des infrastructures essentielles pour le développement social et économique des nations. En outre, en tant que moyen de communication de base, les postes constituent ou fournissent une vaste gamme de produits et de services aux citoyens et aux entreprises du monde, notamment pour ce qui est de la facilitation de l'inclusion financière, numérique, sociale et économique. Aucune autre organisation, secteur ou industrie n'est en mesure de faire ce que nous faisons. Et cette conférence rassemblera toutes les parties prenantes du secteur postal, notamment les gouvernements, les régulateurs, les opérateurs désignés, les clients, le secteur privé, les universités, les organisations internationales, pour débattre et partager des connaissances et des expériences avec pour objectif d'élaborer une stratégie postale mondiale qui nous propulsera dans le cycle suivant. Cette conférence stratégique de 2 jours examinera les tendances du secteur postal mondial actuellement, ainsi que recherchera la voie à suivre. Elle nous donnera également l'opportunité de faire le point sur les réalisations faites concernant les différents buts de la stratégie postale de Doha, qui a été élaboré en 2012. Au cours des 2 dernières années, le Bureau international, avec les différents partenaires, les pays membres et les autres parties prenantes, ont fait des progrès considérables sur la voie de la réalisation des buts, des programmes et des objectifs fixés lors du 25e congrès de l'UPU à Doha. Pendant nos 2 journées, nous examinerons ces réalisations, nous évaluerons les opportunités et les défis auxquels nous faisons face, nous écouterons les voix de nos clients et nous essaierons de comprendre leurs besoins, nous réaffirmerons des vieux principes et nous définirons de nouveaux principes. Et d'ici la fin de cette conférence, j'espère que nous serons en mesure de définir une nouvelle vision qui jettera les bases de notre stratégie future pour le congrès d'Istanbul. Mesdames et messieurs, Excellences, au cours des 2 dernières années, le vice-directeur général et moi-même ont eu l'occasion d'examiner les stratégies passées, les programmes de travail de l'UPU. Nous avons également l'occasion de faire un grand nombre de voyages sur la planète, de participer à différentes conférences postales régionales, de rencontrer des représentants des gouvernements, des postes, des régulateurs, du secteur privé et des clients pour mieux comprendre le secteur dans lequel nous opérons et de mieux comprendre les défis qui sont les nôtres ainsi que des opportunités. Et au cours des 2 dernières années, les conseils de l'Union ont organisé un grand nombre de forums postaux importants qui nous ont permis de discuter des aspects essentiels de nos services et de prendre des décisions importantes pour notre secteur et notre organisation. Le programme de cette conférence stratégique s'articule autour de 9 discussions par panel qui ont été préparées avec soin pour recevoir les informations nécessaires de toutes les parties prenantes importantes. Au cours de ces 2 journées, vous entendrez parler de sujets importants qui sont centraux pour notre stratégie à l'avenir. Et j'aimerais remercier par avance tous les intervenants, les dirigeants des organisations postales internationales, les régulateurs, les partenaires pour leur contribution. Et j'aimerais également remercier les ministres, les vice-ministres, secrétaires d'État du Japon, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Kenya, de la Hongrie, de l'Espagne, d'Éthiopie et d'autres qui vont nous faire l'honneur de leur présence. Et nous espérons que nous pourrons regarder d'un œil critique notre organisation, car même nos conventions, nos traités, nos réglementations doivent faire l'objet d'un examen. Il faut sortir de notre zone de confort pour tester de nouvelles idées qui seront la base de notre future stratégie. Cette conférence est seulement le début de ce processus. Les idées qui en ressortiront nous permettront ou seront raffinées au
cours de plusieurs tables rondes régionales, 7 tables rondes qui auront lieu dans les mois à venir. Le projet final du document stratégique sera présenté au conseil d'administration à la fin de l'année, et ensuite il sera présenté pour un examen final au CA de 2016 avant d'être présenté pour approbation au Congrès d'Istanbul. Mesdames et messieurs, j'aimerais saisir cette opportunité pour remercier le vice-directeur général ainsi que la direction et le personnel du Bureau international de leurs efforts pour l'organisation de cette conférence. J'aimerais également remercier les présidents des différents conseils ainsi que les pays membres pour leur contribution. Et enfin, j'aimerais remercier les intervenants éminents qui ont accepté d'être présents pour nous faire partager leurs connaissances, leurs expériences. Et je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès dans votre conférence. Merci, Monsieur le Directeur Général, et merci en particulier pour les mots très aimables que vous avez dit sur mon pays, sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Les honorables députés, les honorables délégués, pardon, ici présents, ont pris bonne note de votre message et auront l'occasion de vous écouter davantage cet après-midi et demain, lorsque nous entrerons dans le vif du sujet. Mesdames, Messieurs, honorables délégués, la Côte d'Ivoire aurait certainement préféré vous recevoir sur son sol, mais tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre vous en dira davantage. Je voudrais donc, à ce stade de cette cérémonie d'ouverture, vous annoncer ce que a déjà dit Monsieur le Directeur Général, vous annoncer l'intervention de Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, qui aurait bien voulu être des nôtres. Malheureusement, il n'a pas pu se dégager d'engagement pris de longue date. Il a cependant tenu à s'adresser à la conférence stratégique au travers d'un message vidéo que je vous prie maintenant d'écouter. Si la vidéo est prête, je vous prie de la lancer. De la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, Monsieur le Directeur Général du Bureau international de l'Union postale universelle. Pichard. Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, Monsieur le Directeur Général du Bureau international de l'Union postale universelle, Pichard Abdirahman Hussein, Mesdames et Messieurs, nous célébrons cette année le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'occasion pour nous, tous les membres de la grande famille des Nations Unies, de nous interroger sur ce que nous pouvons faire de plus pour améliorer la vie des gens partout dans le monde. The Universal Postal Union. L'Union postale universelle et les services postaux du monde entier participent à l'action que nous menons pour construire un avenir durable. Les administrations postales procurent des services de communication et d'appui logistique essentiels. De surcroît, elles offrent d'importants services financiers et concourent de bien d'autres manières au progrès social et au bien-être des populations. À l'heure où le monde réfléchit à un nouveau programme de développement durable et s'évertue à écarter la menace que constituent les changements climatiques, les services postaux peuvent et doivent être associés à cette entreprise. La communauté postale mondiale d'élaborer une stratégie qui contribuera à l'édification d'un monde meilleur pour tous.
faisons de 2015 l'année de l'action mondiale, en vous sachant gré de vos initiatives et de votre dévouement, je vous adresse tous mes voeux de succès pour votre conférence. Merci. Au nom de tous ici, je voudrais remercier M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour avoir pris un peu de son temps pour s'adresser à la communauté postale mondiale, malgré son agenda que nous savons très chargé. C'est un honneur pour nous tous. C'est également la preuve de son attachement à notre Union, ainsi qu'à la mission qu'a celle-ci dans le monde, une mission au service des nations et des peuples. Mesdames, Messieurs, au nom de la République de Côte d'Ivoire, nous allons maintenant dévoiler officiellement le timbre ou l'émission philatélique spécialement émise pour la conférence stratégique en l'honneur de l'UPU et de ses 192 membres. Je voudrais donc inviter Monsieur le Premier ministre à rejoindre Mesdames, Messieurs, ce timbre, en réalité, présente le premier bureau de poste de mon pays, de la Côte d'Ivoire. Ce bureau de poste a été construit en 1889 et nous vous le présentons d'abord tel qu'il était. Ensuite, nous vous présenterons le timbre qui a été émis à cette occasion. Et nous vous présenterons ensuite seulement le timbre qui a été émis cette année pour cette conférence stratégique. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général, vous pouvez dévoiler le timbre. Donc, vous avez les deux images, le bureau de poste tel qu'il était, en 1895, donc quelques années après sa construction, et ensuite le bureau de poste qui aujourd'hui est devenu un musée, et donc le musée de la ville de Grand Bassam, et vous avez cette deuxième image juste à côté. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous allons vous inviter à dévoiler le deuxième kakemono, donc qui est le bureau de poste tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, et donc c'est le timbre qui est émis en l'honneur de cette conférence stratégique. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général, et vous invite à rejoindre vos places. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers délégués, je voudrais à présent... J'attends qu'il porte son casque de traduction. Mesdames, Messieurs, je voudrais maintenant donner la parole à M. Bichar Hussein, qui a une annonce particulière à faire. M. Bichar, you have the floor for your announce. M. Bichar, vous avez la parole. Well, Your Excellency, Excellences, Mesdames et Messieurs, très, très rapidement, c'est une cérémonie certes, mais nous voudrions honorer nos hôtes, notamment le Premier ministre qui a fait tout ce chemin et le gouvernement ivoirien. Nous avons un présent à votre intention. Nous allons donc dévoiler ce présent
et vous l'offrir. Je vais demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir accepter ce modeste présent de la part de l'UPU. C'est symbolique, bien sûr, mais voilà, au nom de l'Union postale universelle. Il nous a été dit que ce cadeau représente le symbole de la reconnaissance du rôle stratégique joué par la Côte d'Ivoire dans la vie de l'UPU et de son engagement sans faille dans la préparation de la présente conférence stratégique. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, à son tour, va remettre un cadeau à Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Premier Ministre. Je vous invite donc à remettre ce cadeau à Monsieur le Directeur Général. Oui. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, just a small token. It's not so heavy. Oui, là encore, c'est symbolique. Ce n'est pas très encombrant. Ce tableau représente un oiseau mythique qui s'appelle le Sankofa, qui regarde derrière lui. Donc le symbole, c'est le retour aux sources. Un avenir radieux ne pouvant se construire sans justement ce regard sur le passé. C'est la symbolique de ce tableau. Je vous remercie. Okay. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Directeur général. Mesdames, Messieurs, honorables délégués, notre conférence a l'immense honneur d'avoir parmi ses speakers ce jour le Premier ministre du pays hôte, donc de la Côte d'Ivoire. En votre nom à tous, j'ai l'honneur et le grand privilège d'inviter à ce pupitre, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Daniel Kablan Duncan. Monsieur le Premier ministre, mon patron, cher patron, je vous prie de bien vouloir rejoindre ce pupitre pour prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre en charge donc des postes et d'éthique. Et encore une fois, grand merci donc à l'équipe managériale donc de l'UPU pour ce beau cadeau qui nous touche beaucoup. Je disais d'ailleurs tout à l'heure au directeur général que je me ferais un plaisir de le remettre donc au président de la République pour qu'il puisse le mettre dans son bureau. Comme ça, la prochaine fois que vous verrez, vous allez le saluer et il l'aura donc dans son bureau.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres des États membres de l'Union postale universelle, en abrégé UPU, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'UPU, Monsieur le Directeur général du Bureau international de l'UPU, Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, distingués participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la conférence stratégique de l'Union postale universelle qui se tient du 13 au 14 avril 2015 à Genève, cette belle et agréable ville suisse. Distingués invités, chers participants, je me réjouis particulièrement de votre présence nombreuse et distinguée dans ce haut lieu de la coopération internationale qu'est la ville de Genève. Excellences, Mesdames et Messieurs, le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, aurait souhaité effectuer le déplacement de Genève pour procéder lui-même à l'ouverture des travaux de cette importante conférence. Mais il n'a pas pu le faire, car empêché au dernier moment par une importante rencontre sous-régionale. Il me charge donc de vous transmettre ses sincères regrets et toute son amitié en formulant le vœu que vos travaux connaissent un réel succès. Je voudrais par ailleurs saisir cette occasion pour remercier solennellement, au nom du chef de l'État et du peuple ivoirien, les dirigeants de l'UPU ainsi que toute la communauté postale mondiale pour l'honneur qui est fait à notre pays en plaçant la conférence stratégique 2015 de l'UPU, sous le haut patronage de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et sous la présidence de notre pays. Permettez-moi également de féliciter de manière particulière M. Bichard Hussein, directeur général de l'UPU, et M. Pascal Cliva, vice-directeur général de l'UPU, pour les importants résultats obtenus à ce jour. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, cette conférence était prévue pour se tenir à Abidjan les 14 et 15 octobre 2014. Comme rappelé tout à l'heure, toutes les dispositions avaient été prises par l'État ivoirien pour lui assurer un succès total dans la pure tradition ivoirienne et africaine. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais en accord avec l'UPU, nous avons, dans l'intérêt de notre chère Union, convenu de délocaliser cette conférence à Genève. Ceci me rappelle un autre rendez-vous manqué, celui du congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire en 2004. Il est d'ailleurs à noter qu'à ce jour, fort heureusement, puisque c'était la raison, aucun cas de contamination de la maladie à virus Ebola n'a été constaté en Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, mais comme aimait le dire feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, découragement n'est pas ivoirien. C'est dire que notre volonté de vous accueillir en terre ivoirienne et africaine demeure totalement intacte. Pour nous, Ivoiriens, la Suisse, et particulièrement Genève, représente toute une histoire, un symbole. En effet, feu le président Houphouët-Boigny avait une grande admiration pour ce beau pays qu'est la Suisse. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays dans le monde, s'est fortement engagée dans la voie royale du développement économique, social, durable et inclusif. La grande ambition du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, digne héritier de feu Félix Houphouët-Boigny, est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est pourquoi, dès la fin de la crise post-électorale en mai 2011, il a signé au gouvernement trois objectifs majeurs. Premier objectif, le rétablissement de la paix et de la sécurité. Deuxième objectif, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Et troisième objectif, la reconstruction et la relance économique. S'agissant de la paix et de la sécurité, en trois ans, l'indice général ivoirien d'insécurité qui mesure le niveau d'insécurité au plan national est passé de 3,8 en 2012 à 1,18 en décembre 2014.
Celui donc des Nations Unies est passé, quant à lui, de 4 à 2. Et il faut souligner, ce niveau 2 est équivalent à celui de New York ou de Genève, dans la ville où nous sommes actuellement. En ce qui concerne la réconciliation nationale et la cohésion sociale, l'ouverture, la constance politique, la main tendue du chef de l'État ont permis une décrispation progressive de la vie politique, l'organisation libre pour tous les partis politiques de leur activité sur l'ensemble du territoire national et la perspective favorable pour l'organisation d'élections transparentes, ouvertes, justes et apaisées en 2015. Enfin, au niveau économique, notre pays a réalisé de progrès rapides et soutenus. Ces progrès lui ont permis de se positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive, avec un taux annuel moyen de 9% au cours des 3 dernières années, taux parmi les plus élevés actuellement dans le monde. Au cours de ces 3 années, selon le rapport du Fonds monétaire international, le PIB s'est accru de 25% au moins et le PIB par habitant de 15%. Dans un contexte d'inflation maîtrisée à 2,6% en 2014, en dessous de la norme communautaire de l'Union monétaire ouest-africaine, qui est de 3%. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces avancées ont été possibles grâce à la mise en œuvre d'importantes réformes structurelles et sectorielles visant à faire du secteur privé, tant national qu'étranger, le principal moteur de la croissance. Ces réformes qui ont favorisé l'attrait économique et financier de la destination Côte d'Ivoire auprès d'investisseurs et partenaires internationaux comprennent notamment les points suivants. L'adoption d'un nouveau code des investissements plus attractif et compétitif en 2012. La création d'entreprises en 24 heures. La création de la haute autorité de la bonne gouvernance. L'adoption d'un cadre réglementaire des partenariats secteur public-secteur privé. La création d'un tribunal de commerce à Abidjan, l'adoption et la révision de codes sectoriels des mines, du pétrole, des télécommunications, des TIC et bien sûr de la Poste. Ces réformes structurelles et institutionnelles entreprises par le gouvernement ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer sa gouvernance et son environnement des affaires avec notamment les résultats suivants. Le classement 2 années de suite parmi les top 10 des pays les plus réformateurs au monde, selon les rapports Doing Business 2014 et 2015 du groupe de la Banque mondiale. L'obtention du threshold dans le cadre du programme américain du Millennium Challenge Corporation, MCC. La probable éligibilité de notre pays dès cette année 2015 à l'initiative internationale Open Government Partnership. Le maintien du statut de la Côte d'Ivoire de pays conforme dans les industries extractives ITE, obtenu en mai 2013 et le prix en décembre 2014 du Forum Mines and Money du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier devant la Finlande, le Pérou et la Serbie. Excellences, Mesdames et Messieurs, après ce tour d'horizon général, quelle est la situation spécifique du secteur des TIC et du secteur postal en Côte d'Ivoire? Le développement du secteur des TIC est soutenu. En effet, les TIC représentent entre 7 et 8% du produit intérieur brut en Côte d'Ivoire et contribuent annuellement pour 300 à 400 milliards de francs CFA au budget de l'État, avec 20 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 22 millions d'abonnés sur une population de 23 millions d'habitants, soit un taux de pénétration au niveau des cellulaires de 95,6%, figurant ainsi parmi les taux les plus élevés en Afrique. Par ailleurs, le gouvernement, en vue d'accélérer le progrès économique et social, a entrepris le câblage du territoire national avec la construction du réseau national en fibre optique de 7000 km. 2000 km sont actuellement achevés. Il s'agit d'accélérer le développement de plusieurs secteurs économiques par la transition numérique de la société ivoirienne en utilisant fortement les TIC dans différents secteurs et notamment l'administration publique, l'agriculture, les finances, l'école, la santé, entre autres. La politique pour asseoir ces transitions numériques se traduit également par la mise en service du réseau CDMA qui assure la connexion à ce jour de 1000 localités
à l'intérieur du pays, permettant ainsi aux différentes composantes de notre administration de mieux communiquer entre elles. Le lancement effectif du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion, le lancement prochain du projet de construction de 3000 cybercentres communautaires, l'aménagement en cours de la zone franche, la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication, en abrégé le VITIB, le renforcement des capacités humaines, car comme chacun sait, il n'est de ressources que d'hommes, avec la création de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, en abrégé ESATIC. L'objectif de ce centre d'excellence est de disposer de ressources humaines fortement qualifiées pour permettre à notre pays d'entrer de plein pied de façon irréversible dans l'ère du numérique. Excellences, mesdames et messieurs, l'activité postale, quant à elle, consiste depuis son origine à la mise en relation des hommes, au transport des valeurs économiques tant physiques que financières. Elle a toujours été porteuse de création de richesses des nations. Dans la stratégie de la Côte d'Ivoire, en vue de l'émergence en 2020, le secteur postal occupe ainsi une place de choix. L'action conduite dans ce domaine par notre gouvernement se décline en deux principaux axes. Le premier axe aura consisté en la prise d'un nouveau code postal qui ouvre ce secteur formellement à la concurrence et en organise la régulation avec pour objectif essentiel la création d'un écosystème équitable pour l'ensemble des acteurs économiques et inclusif pour le service à la population en tout lieu sur le territoire national. Le deuxième axe est relatif au redressement et à la relance de la société La Poste Côte d'Ivoire en vue d'en faire un véritable outil au service du développement économique et social. À ce jour, ce plan se déroule normalement. La société Poste Côte d'Ivoire, à travers notamment ses nouvelles activités, est redevenue rentable et viable. Excellences, mesdames et messieurs, vous avez choisi comme thème de vos travaux apporter des solutions de développement innovantes, intégrées et inclusives. Je voudrais me permettre de vous en féliciter. En effet, pour mieux servir les populations de la façon la plus inclusive qui soit, il nous faut rester mobilisés et en éveil dans un monde en perpétuelle évolution où les technologies de l'information et de la communication révolutionnent les relations humaines et les normes sociétales. Ces technologies apportent des solutions innovantes et indispensables au développement harmonieux de l'humanité. Sachons donc en user pour un service postal moderne, prospectif et qui tient lieu de vecteur pour un développement durable et inclusif. Excellences, mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, je tiens à souligner que tous, nous avons le défi d'assurer une croissance économique soutenue qui passe par un développement inclusif du commerce mondial, avec notamment une Afrique totalement intégrée. Tous, nous avons à relever le défi de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté dans nos pays respectifs. Tous, nous avons le devoir et l'obligation de faciliter l'accès des citoyens et des entreprises aux services dans les meilleures conditions possibles. Tous, nous devons continuellement ouvrir de nouveaux horizons pour un monde meilleur. Il est à souligner que tous ces défis devraient être aussi des opportunités pour le secteur postal. Tous, nous devons donc continuer à améliorer ces infrastructures et son fonctionnement au plan mondial pour soutenir le développement de nos pays. Excellences, mesdames et messieurs, au vu des défis surmentionnés, vous pouvez être assuré que nous, gouvernement, citoyens et organisations de la société civile, appuierons constamment votre engagement à apporter des solutions innovantes pour un développement postal inclusif. La Côte d'Ivoire veut demeurer parmi les acteurs du changement dans ce monde, en constant mouvement, et participer à côté de l'UPU à la construction de la Poste du futur. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire, après les deux rendez-vous manqués, à savoir le Congrès mondial de l'UPU en 2004 et la conférence stratégique de l'UPU en 2014, et comme je le disais tantôt, découragement n'est pas ivoirien, la Côte d'Ivoire, dis-je, serait très heureuse et honorée d'accueillir le Congrès mondial de l'UPU en 2020.
Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués délégués, chers participants, c'est avec cet espoir et avec nos vifs encouragements pour la pleine réussite de vos assises que je déclare au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, ouvert les travaux de la Conférence stratégique mondiale 2015 de l'Union postale universelle. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, honorables délégués, je voudrais en votre nom à tous chaleureusement remercier Monsieur le Premier ministre pour ce discours très précis, très détaillé, qui présente longuement la Côte d'Ivoire et ses perspectives et qui présente également d'une façon précise le thème qui va être traité au cours de cette conférence stratégique. Tout à l'heure, nous devions, avant le discours de M. le Premier ministre, vous présenter un court film sur la Côte d'Ivoire. Cela n'a pu être fait pour des raisons techniques, mais il me semble que désormais tout est rentré dans l'ordre. Je suis donc heureux, M. le Premier ministre, si vous en convenez, de vous donner cette image visuelle de la Côte d'Ivoire à travers ce petit film de 3 minutes. Vous pouvez le lancer. Merci. Welcome to Côte d'Ivoire, land of hope. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et d'espoir. C'est le creuset de la diversité culturelle. Bienvenue. Le peuple est remarquable, animé par sa foi dans l'avenir. Foi dans l'avenir qui nous permet de prendre des risques, de relever des défis. La joie de vivre, c'est important pour la vitalité de la société dans son ensemble. Un pays qui est en cours de renouvellement, qui vise la croissance durable via les investissements dans les infrastructures et le capital humain, qui souhaite créer de l'agro-business, investir dans les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication. Bienvenue dans un pays qui a une grande ambition, notamment pour 2020 et au-delà. Un pays qui a entrepris de grandes réformes structurelles pour la stabilité, la sécurité, pour que le climat des affaires soit bon, pour que le peuple puisse bénéficier de cette vision de l'avenir. Bienvenue vers l'Afrique de l'Ouest qui s'ouvre sur le monde. Investir en Côte d'Ivoire, cela permet d'avoir accès à un marché de 300 000 personnes. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous allons lancer cette aventure du développement économique et social, aventure fantastique. Merci de croire en nous. Merci de croire en notre pays. Merci d'être avec nous dans ce grand élan
Nous avons de grandes occasions à saisir et c'est ici qu'il faut les saisir. Merci, merci mesdames, messieurs, pour vos applaudissements. Nous espérons que ce court film vous permet d'avoir une meilleure idée du pays qui est prêt à vous accueillir chaque fois que vous le souhaiterez et qui est en particulier prêt à vous accueillir pour le congrès de 2020. Mesdames et messieurs, honorables délégués, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le directeur général de l'UPU, Monsieur le vice-directeur général et moi-même participerons dans quelques minutes en votre nom à une conférence de presse. Auparavant, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que la Côte d'Ivoire et son Premier ministre ici présent vous invitent tous, et j'espère que vous serez tous là sans exception, vous invite à la réception organisée par la Côte d'Ivoire, ici même, au CICG, ce soir, à 19h, à 18h30, je crois, 18h30, ici même. Nous nous réjouissons d'avance de vous y accueillir. Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur le vice-directeur général, qui a quelques annonces à vous faire. Donc, nous allons, après cette clôture de la cérémonie d'ouverture, nous allons nous retrouver donc tout à l'heure à 14h pour entamer nos travaux. Je vous remercie. Merci. Simplement, pour le bon ordre des choses, nous allons laisser d'abord le Premier ministre, le ministre et le secrétaire général sortir de la salle. Je rappelle pour les journalistes qu'il y a un point de presse qui est prévu à la salle 8. Je rappelle pour celles et ceux qui sont conviés au déjeuner offert par le président du conseil d'administration du Qatar que ce déjeuner aura lieu au deuxième étage à partir de 12h30. Et comme vient de le dire le président de cette conférence, nous reprenons nos travaux pour entrer dans le vif du sujet dès 14h. Soyez à l'heure, puisqu'il y a un certain nombre d'événements qui sont prévus aussi à distance, et donc pour nous et pour les modérateurs à qui on souhaite d'ores et déjà bonne chance, nous nous retrouvons à 14h. Merci et bon appétit à tous.